Alors justement, pour le champagne, j'ai choisi quelque chose de distingué, plein de personnalité et de finesse. Le contraire de vous, justement. Étant donné la haute opinion que vous avez de vous-même, je comprends que ce soit une révélation, mais ne vous en faites pas. Je me suis rendu compte aujourd'hui même que j'étais probablement dans le même cas que vous. À ceci près, tout de même. Qu'aujourd'hui quelque chose a changé ma vie. Pour vous dire que ça peut durer. Et en ce qui vous concerne, je crois bien que ce soit parti pour vous. Alors, autour de cette table, certains vous trouvent dynamique, combatif, entreprenant, audacieux. Et d'autres vous jugent suffisant, prétentieux, ridicule. Eh bien, les uns et les autres se trompent, parce que vous êtes tellement plus simple. Dans le langage châtié, comme dans le langage de tous les jours, on vous désigne du même nom. Vous êtes un con, d'une espèce rare, je le reconnais. Catégorie suprême, celui qui cumule le con malgré lui et le con satisfait de l'être. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu un mélange aussi réussi. Toutes mes félicitations. Être con n'est pas gênant en soi. Non, le problème, c'est que les cons se sentent souvent obligés de le faire savoir. Et c'est l'usage intensif de la connerie qui est usante. Et alors vous êtes du genre sans modération. Aucun répit, toujours partant. Vous devez même assurer des genres de permanence. Toutes les matières premières sont vouées à s'épuiser. Pas la connerie. Aucun risque. Vous êtes là. Vous et plein d'autres. Le problème dans la connerie, c'est le nombre. Je la chasse au con, il y a trop de gibier. C'est pour ça que j'ai abandonné. Et vous devriez en faire autant. Pour les fiançailles. Non pas que tout le monde fasse semblant d'y croire, mais vous êtes tout simplement indigne de Valentine.